Судува Павле Пикорски за ерес и сејање на злото семе, оти ја раскажа тајната книга за овој остров и се казнува со сечење на јазикот. Казната да се изврши веднаш. Monsieur Chevalier, ce matin, un pigeon voyageur est arrivé. Il était épuisé. J'ai l'impression qu'il avait voyagé dans le temps.
Dans le livre secret, il est écrit « Si vous voyez le Saint-Esprit se poser sur quelqu'un sous la forme d'un pigeon, c'est qu'il lui apporte l'absolution de ses péchés. » Le feu qui me retenait à la vie s'éteint. Pendant 60 années, j'ai cherché la trace d'obscurs mystères dans des villes disparues, dans des monastères oubliés. Je ramassais, je copiais, j'étudiais des livres interdits, souvent détruits. J'ai découvert que tout visage porte son double et que la vie n'est pas tout entière dans les livres, ce que vous savez déjà. J'ai sacrifié ma vie à force de croire, comme les cathares, que je parviendrai au salut par mon infime connaissance du monde. J'ai tout perdu. Je suis resté seul. Mais le peu que je sais, je voudrais vous le transmettre. À vous. Si vous voulez savoir pourquoi, rendez-vous sur la tombe de Johanna. Je savais que tu allais venir. Je pensais que vous aviez disparu dans les Balkans. Oui. J'ai souvent disparu dans les Balkans. En Inde. Au Tibet. À Jérusalem. À Machu Picchu. Un peu partout dans le monde. Je cherchais des signes. Et ce qui me faisait revenir chaque fois, c'était elle, c'était Johanna. Depuis sa mort, mes jambes m'ont lâché. Et je n'ai plus jamais disparu. Et tout mon père ? Toute ma vie, j'ai été obsédé par le livre secret des Bogomils. Toute ma vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans le 7e chapitre, il est dit que seul Enoch a vu la face de Dieu. Je pensais que c'était Moïse. Moïse, non, jamais de la vie. Moïse n'a pas vu la face de Dieu, il a entendu sa voix. Et une certaine tradition dit qu'un jour, Moïse a vu passer Dieu rapidement, mais de dos. Moïse a vu le dos de Dieu, tandis qu'Enoch a vu sa face resplendissante. Et il l'a décrite en 67 livres. Et on dit que le livre des Bogomils serait un de ces livres-là. Naturellement, on n'a jamais retrouvé l'original. On n'en possède qu'une seule et unique copie, qui est arrivée au XIIIe siècle d'après le récit de Nikita, qui était le premier cathare. Et où il est dit que celui qui a ouvert le livre secret s'est ouvert du même coup à la connaissance et que par conséquent, il doit être puni.
Ma punition a été la mort de Johan. Après ça, je me suis retiré dans un monastère russe, sur le mont Athos, en espérant l'absolution de mes péchés. Et l'avez obtenu? C'est un vin du mont Athos, le vin des solitaires. On dit que son goût traverse les siècles sans se modifier. La solitude n'a pas de millésime. Elle dépend uniquement de l'extase. De l'extase. J'ai toujours essayé de comprendre la solitude de ma mère. Et en fait, c'est seulement quand elle est morte que j'ai découvert vos lettres. Venant des quatre coins du monde, en quête de ce texte original. Mais les copies ne sont que les eaux boueuses qui traînent en aval des fleuves. Il faut remonter en amont jusqu'à la source, qui est toujours pure. C'est là qu'il faut boire. J'étais fasciné par votre esprit qui animait toutes vos lettres. C'est leur lecture qui a tracé mon chemin. La connaissance est toujours double. Il y a le matin et le soir. Il y a le jour et la nuit, l'ombre et la lumière. Il y a la médiocrité et la perfection. Le chemin que tu prendras ne dépend que de toi. Mais il y a une différence. Dieu, pour régner, n'a pas besoin d'exister. Le diable, si. Le diable existe et il règne. Vous savez, j'ai déjà sillonné tous les chemins par lesquels vous êtes passé. D'ouest en est. Je sais que les Balkans, j'ai pas pu aller à cause de la guerre. Mais la guerre des Balkans, c'est du folklore. Comme ma recherche, d'ailleurs. J'ai connu au mont Athos quelqu'un qui a fouillé toute la montagne centimètre par centimètre. Et en Bosnie, un homme qui a retourné tous les cimetières. En Bulgarie, un qui a rêvé du livre secret des Bogomils, d'ailleurs avec une précision troublante. En Macédoine, je connais quelqu'un qui envoie chaque jour, comme des emails, des pigeons voyageurs dans toutes les bibliothèques du monde. La connaissance, c'est une joie. Mais le chemin qui y conduit est une longue peine. Tu es préparé à souffrir? Inconnus te protègent. Ils nous protègent tous. Oh!
another cannon and falling across Behar. Wenn es mal regnete und dann begegnete. Ich liebe der Dichtung. Sind Sie zum ersten Mal in Mazedonien? Viele Halunken aus der ganzen Welt sind jetzt ein Teil dieses Landes. Nevelam za tebe. Manche bauen ab. Manche recherchieren, andere klauen, was recherchiert wird. Nevelam za tebe. Manche behaupten, dass sie uns verteidigen. Manche sagen, wir sind ein sehr bedeutendes Faktor. Andere negieren uns und alle sind mit guten Absichten. Nevelam za tebe. Aha. Und wenn mich jemand fragt, ich sage ihm, wir sind eine große Deponie von Toten und anderen, die lebendig aussehen. Nevelam za tebe. Nee, nicht Deutsch. Taka kaže, džabe se iskaš i jeziku. Ej, moment! Moment! Voulez-vous travail? Telefon. Nevelam za tebe. Tebe, eh? Monsieur Chevalier. Bonsoir. S'il vous plaît. Vous feriez mieux, monsieur, de bien fermer les fenêtres. Bien. Oui, ici. Il souffle de vent diabolique. Oui, 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 monsieur. Hier, en vain me relever mes jupes jusqu'ici. Oui. Oh, faites attention. Votre dernière lettre de Balkan est arrivée après sa mort. Chère Yona, cette nuit, le ciel s'est uni à la terre. L'île était comme une arche de Noé, jetée dans les eaux troubles du lac de Prespa. J'ai eu le sentiment que je ne te reverrai plus. J'ai trouvé refuge dans la cabane d'un vieux pêcheur qui m'a raconté l'histoire d'un soldat de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Ce soldat s'appelait Ibn Khaldun al-Sadiq. Il fut blessé. On le transporta dans une maison et il mourut. Dans son sac, on trouva un coffret. Dans ce coffret, une lettre qui était destinée à sa mère. Mais sa mère ne l'a jamais reçue. C'est moi qui l'ai reçue. Peut-être en étais-je le véritable destinataire. Comme celle-ci, qui n'est jamais parvenue à ma mère. Mais elle t'est parvenue, à toi. La lettre du soldat. La voici.
chère maman. Aujourd'hui est étrangement calme. De la racine d'un noyer, j'ai façonné un coffret. Si je devais ne pas revenir, qu'on le porte dans les archives de l'Inquisition à Carcassonne. Là, on garde le livre secret dont les traces m'ont emmené jusqu'au Balkan. J'ai mis dans ce coffret les 5 morceaux de parchemin que j'ai trouvés aux alentours d'un monastère de Prespa. Je pense qu'ils ont une force magique. Et ils me font rêver, en réalité. Très attention, parce que dans le salon de coiffure Balkan, il y a toujours quelqu'un qui peut se faire égorger. Целиот град е ограден со гробишта. Регарде, семетиер муслим. Ле семетиер жуиф. Да, и мерси, ќе компре. Но гер пур територии. Секому 2 квадратни метра, секому негова собствена држава. Точка. Лета се муа. Кво? Точка. Voilà. Cimetière militaire français. Vous cherchez quelqu'un? Oui, bonjour. Bonjour. Je cherche Ben Adoun al-Sadiq. La moitié de ceux qui sont enterrés sous ces croix ont des noms semblables. Et encore 7000 autres qui sont symptômes.
Ce nom, comment s'appelait-il? Ibn Haldun al-Sadiq. Il faudrait qu'on le cherche dans les archives. 500 000 musulmans sont morts pour la France. Ce coffret est à lui. Ibn Haldun al-Sadiq. Je vous le confie. Merci. Je le transmettrai. Voilà les copies des seuls fragments que nous possédons de l'écriture glagolique ou glagolitique. Et tous viennent de Macédoine. Ils reposent sur 5 voyelles essentielles. A, E, I, O, U. Chacune commence un mot. Austria est imperare orbi universo. Le sud, Austria, doit commander au globe universel. Et ces voyelles, parce que Dieu ne parlait qu'avec des voyelles, va-t-on savoir pourquoi. Ces voyelles sont la base de l'hymne Qatar. A, E, I, O, U. Hey! Kaj se pojavi da ti jebam, spečalo da ti jebam. Problem? Oui. Bravo! Mi treba pomoć? Ajde. Stranec, znaš. A od kada je? Francija. Coucher du soleil. Vous parlez français? Oui, un peu. J'aime bien les langues. Il y avait une montagne ici. Et où est-elle maintenant? Elle a disparu tout simplement. Comment c'est possible? Comme ça. Pouf, disparu. Puis, une commission de l'Europe est venue. Mm-hmm. Tous des spécialistes en géographie. Géographie. Il prenait des mesures, il questionnait les gens. Et à la fin, ils ont décidé que la montagne n'existe plus. Mais ce n'est pas fini. Plus tard, plusieurs rivières, montagnes,
Chon, Lac, Plon, même des villes et des villages ont disparu. Comme une épidémie. Hajde, do tuka smo. Da, da, da. Srećno. Prijetno. Znam zašto ga pušti. Svi te ga pušti. A bea pametni, razbrani, cukunčinjata prave zborovi od kala. Čuda prave. Bi trebalo da prodavate glineni zborovi. $1, jedan zbor. Right? Amerikancite ke se skineja od kupovanja. Mi je straf. Mnogo stranci da preplavija zemlja. Da ne stignat na ostrovot. Kaži mu gova nemo. Ko? Na diviot sorava bič. Oh,
Que Dieu, qui est la bonté même, ait créé un monde aussi affreux. Alors ils ont cherché à excuser Dieu. Ils ont imaginé un autre principe, presque aussi puissant que Dieu, le principe du mal, qui n'aurait pas été créé par Dieu et qui expliquerait le monde où nous vivons. Mais ils ont été déclarés hérétiques. Et parce qu'ils avaient voulu connaître le mal et le combattre, духовною жаждою утомим, в пустині мрачно я влечился, і шестикрилий серафим на перепуті мені явился, перстами легкими, как сон. Моих зениц коснулся он. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жал мудрей змей. Уста замерзшие мои вложил десницей у кровавой. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и выждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Tiens, tu porteras cette bouteille au père André. Tu le trouveras dans le monastère près du lac. C'est lui qui te parlera de Bygorski. Le père André. Il était comme fou de ce poème de Pushkin, le roc, le prophète. Отец Андрей, шевалье стигна. Портата отворена е? Отворена е. Тогаш нека влезем. Извините, что вам мешаю? Передаю привет из Провансии от вашего дорогого друга Пьер Эмон. Дай Бог здоровья дорогому Пьеру Эмону, который научил вас говорить по-русски. Я не говорю хорошо, но понимаю. Как прекрасно услышать здесь русское слово. С Раймоном мы были вместе в Святой Горе в одной келье. Вино имеет свою азбуку. Надо ее уметь читать. А вот Арсанте. На здоровье. На здоровье. Ah, si seulement nous pouvions utiliser le temps comme le fait le ver et devenir meilleurs nous aussi. Ой, ещё под обсессию.
поисках тайной книги, так? Пока есть тайна. Будут люди обречены ее. Я один из них. Это мучится. Бог пусть поможет вам. Я уже давно свою обсессию поменял на спокойство молитвы. Подвал влажный. Все книги, которые у нас остались, сгниют. 200 лет тому назад здесь были 1000 книг. Сегодня они в Петербурге, Париже, Лондоне, Белграде, Софии. Никто ничего не вернул. Quand on a beaucoup lu, on voudrait savoir ce que les livres ne disent pas. Ou ce qu'ils disent autrement. Par exemple, en Inde, le Mahabharata, qui est le livre fondamental, jamais on ne le fait rentrer dans les maisons, parce qu'il raconte une guerre entre deux familles, une guerre entre beaux-frères. Donc, en introduisant le livre dans la maison, on risque d'envenimer l'atmosphère de la famille. Quelquefois, je me demande s'il ne faudrait pas faire la même chose avec le livre secret. Святой Климент и святой Наум были близки, как братья. Один построил церковь с той стороны озера, а другой — вот этот монастырь. Они были близки к Богу и знали его речь. Как так могло быть окреди преспа? Одновременно были центры православия и Богомилия. Богатство Божьей речи все читают по-разному. Те, которые по-другому читали, не были между ними. Они были среди них, но нет, не произошли. Молитва меня научила терпению, и поэтому мой ответ – сложные братья монастырь строят. Отче, а тайная книга? Посмотрите на этого голубя. Известно, что в 1245 году кто-то перенес его из Лиманжа в Францию. Тот, кого ищите, не имел терпения дождаться Бога. Сейчас он находится в душевной больнице. Лопитал психиатр. Психиатрик? Я. Что с ним случилось? Забоял. Заштемило в душе.
Paris. Fuck! Son of a bitch! The girl! Fuck you! Fuck you! Excuse me. I'm looking for the psychiatric hospital. Can you help me? I'm looking for the psychiatric hospital. Да нимаш нешто мака ведете и ти бумбарчина во главата да нимаш. Do you speak English? I spent 30 years in America. Ah. Fucking United States. You had bad luck? No. I did not lick my boss ass. I wrote prison. Look, buddy. That looks stamps. Look. Can't go back there. Never. Die. Control everything. Soul. Body. Die wanna control world. Stupid. All stupid. Sheer world conspiration. You know? Satanic conspiration. Son of a bitch. Sorry. Petri Gizus from Macedonia. Look, friend. I. Machu Picchu. It's nice. Huh? You can help me? I'm looking for the psychiatric hospital. Hospital? Yeah. Ah, follow the fella. He in Yard Hospital. Yeah? Look. Okay. Goodbye. Hey, goodbye. Dobro, samo da go vidim. Imaj dušu. Čoveče, razberi, džabe doađaš. Zbor nema iz ustedo, čoveče. Moram da go vidim. Se zakre na Fodostrovot. Dobar den. Ti si pak tuka. Doktorke, ne me pušta da go vidim. Si. Ne znam kaj da odam. Gulabite počne da ne jadat. Dobro, nisi. Počne da se razvaluvat, se tresat. Tažni se... Koga si tuka? Guga od gobara, neko. Čekam, ne me puštaš. Dobar den. Dobar den. Stomagače, ne me puštaš. Dobar den. Dobar den. Kako je? Dobro, doktor. Kaj je vode? Da, vode. Много хубаво, обичам.
monsieur. Excusez-moi. Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. Moi non plus. Et c'est sans doute pas le meilleur moment, je suis désolé. En fait, je cherche le psychiatre. C'est moi. Please follow me. Je ne savais pas si j'étais au bon endroit. Vous n'êtes pas au mauvais endroit. Ceci est la dernière station du Genio. Ici, sont passés, même ceux qui convoisent, pensaient que tout est Dieu. Comme Jésus, que tout est amour. Comme Freud, sexe, Marx, money. Et comme Einstein, que tout est relatif. Je cherche un homme qui pense que tout est secret. Pavlo Vygotsky? C'est ça. Do you know him? I don't. But I got a message for him. Please come with me. Et dans des histoires de recherche ou de quête, la plus belle que je connaisse vient de Perse, d'un poète qui s'appelait Attar, et qui a raconté l'histoire de la recherche des oiseaux. Les oiseaux partent un jour à la recherche de leur vrai roi, qui s'appelle le Simorgh. Alors il y en a qui ne veulent pas partir, il y en a qui sont bien comme ils sont, il y en a qui sont peureux, frileux, il y en a beaucoup qui s'arrêtent en route parce qu'ils sont fascinés par tout ce qu'ils rencontrent. Chaque chose qui t'arrête, dit le poème, devient ton idole. Il faut toujours, toujours continuer. Finalement, c'est un tout petit groupe d'oiseaux après la traversée de cette vallée terrible qui arrive au terme du voyage. Et ils vont voir le Simorgh. Ils sont déchirés, épuisés, les ailes brûlées par le désert, ils n'en peuvent plus, à moitié morts. Et à ce moment-là, apparaît quelqu'un qui, tout simplement, met devant eux un miroir et qui leur dit « Voilà, le soleil de ma vérité est un miroir. Regardez-vous là-dedans, vous y verrez vous-même. » Même si vous êtes 30 ou 40 oiseaux, vous verrez 30 ou 40 oiseaux dans le miroir. Vous avez fait un long voyage pour arriver au voyageur. Mais qui est Vygotsky, vraiment? Vygotsky, il est comme ce Macédonien qui est apparu en songe à Saint-Paul et qui lui a dit « Viens nous sauver ». Vygotsky, c'est ça. C'est pire.
He's silent for 3 years. He doesn't speak at all. He sleeps with open eyes. I think I dreamed about him last night. You should take notes of your dreams. Did somebody take notes of Bygalski's dreams? Listen, I'd like you to tell me more, but I feel it's not the right moment. It's okay. Could we see later? Yes, we can talk later. Много ви прилягаат животните. Ако шпанските, приказни сте. Внимавай што зборуваш и со кого зборуваш. Странец он бил в волница кај брат ми. Гркланот, ќе му го исечам. Excuse me, what's exactly Bygalski's problem? When you are looking for the meaning of the life, your mind is reaching a deeper, a higher state of consciousness. Believing is everything. If St. Paul didn't believe that he's a God messenger, probably he would stay just an ordinary, simple wanderer. You understand? Yes. Yeah? So, what is Bygalski's belief? It was his ship. He was traveling with it in his dreams. Sometimes he used to take this boat to the island and stay there for weeks, for months. But what happened to the lake?
Same what happened with Bigorsky. It withdrew. Here the grass is replacing the water. This boat must stay here. It will. It will wait for the lake to come back. Il y a des îles où il n'y a aucun serpent. On n'en a jamais vu, jamais. Et puis, il y a des îles où il n'y a que des serpents. On s'est souvent demandé pourquoi. Je pense que c'est peut-être parce que les serpents, ces serpents-là, ne savent pas qu'ils peuvent nager. J'aimerais connaître un endroit comme ça, moi. Avec ou sans serpent ? Ça m'est égal. C'est un bon signe. This is the big town. Town without any citizens. They told me that once they were passing crusaders through Macedonia, they come to this town, they conquered it, they burn it with all the citizens inside. That's the legend, what they're saying. I've heard about this place. Really? I was looking for it. Bigorsky lived here before he was taken to the hospital. You see, he left all his pigeons away 3 years ago. Nobody knows where he was sending the messages or to whom he was sending these messages. It's getting dark. Should we go? Let's go.
Vraiment très très mal. Satan alla trouver Dieu et il lui dit, écoute, il faut faire quelque chose. Alors, vends-moi le monde. Je te donne des milliards et des milliards de dollars, tout ce que tu voudras. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent? Si je te vends le monde, si tu me l'achètes, qu'est-ce que moi j'achèterai? Tu veux le monde, pourquoi faire? Et Satan lui dit, pour essayer de le rendre meilleur. Et comment, lui dit Dieu? En introduisant l'idée de l'argent, lui dit Satan. Alors Dieu lui dit, bien écoute, prends-le, pendant le temps que tu voudras. Alors Satan prit le monde pour lui, et il y introduisit l'argent, l'or, le commerce. Ça dura pendant plusieurs siècles. Ensuite, il revient auprès de Dieu et il lui dit, écoute, c'est tout ce que j'ai pu faire, voilà, le monde, je te le rends. Et Dieu regarda le monde et il dit, je n'en veux plus. Non, je n'en veux plus. Et depuis ce jour-là, ils sont partis tous les deux. Et ils nous ont laissés seuls. Eh ben,
Зове се Гулабите. Уште како дете го научи пилскиот јазик. Катаден му обетеше со птиците. Напис. А, нека му се најде за душа. За да стигнете до душата, треба да те соджежит. Така е, брате? Не прекинува ли човек во молитва, грефе? Добро, кога веќе те прекинав, да те припрашам. Вие се молите за сите или само за вас? Се молиме за оние што имаат душа. Ајде, Морис, и ти имаш душа, ајде. То ти е врат. Некој мора да го крка. Знам, знам. Не разбираш македонски. Многумина не разбираат македонски, а мамето ни го еба. Можам јас и на француски да ти кажам, ама пак нема да разбереш. Французин? Се па форсема, уин бон референс. Земи газ. Желе апридан ле жангле дан дошин, канжете ле жунер. Ла сол регле ки ренјете ту лотр, аван килте ту. Верни се, вие! Je vais t'expliquer. Ça, ce sont les tiens. Ils pillent, ils égorgent, ils incendient. Car personne ne vient en Macédoine pour faire du bien. Tout va bien. Vous avez tout bousillé. Comprends? Regarde. Pourquoi tu es venu? Je te suis depuis des jours. Tu vas dans des hôpitaux, dans des monastères, sur des îles, tu cherches nos codes secrets. Tu vas voler quelque chose. Nous sommes attaqués de tous les côtés. Vous vous êtes faufilé. Maintenant, vous voulez nous voler même notre propre secret. Qu'est-ce qu'elles font, toutes ces armées ici? Regarde par là, regarde par là, regarde par là. Par là, par là. Il y a une époque où l'Europe tremblait devant nous. Car c'est avec joie qu'on s'éclaboussait la cervelle sur les pavés de Vienne, de Prague, de Milan, de Berlin, pour voir la Macédoine se dresser sur ses propres jambes. Si quelqu'un les touche, les Macédoniens morts mettront en feu l'Europe entière. Quelqu'un devrait tous vous enterrer. Et il faut bien commencer par quelqu'un. Moi, je te choisis, toi.
Nema Aldo sam. Vata. No. Postoji tajna knjiga. Tajna knjiga ima v svakoj čovečko srce. Ce livre secret, nous le portons tous quelque part au fond du cœur. Très rares sont ceux qui peuvent le lire. Et pourtant, il faut le sauver à tout prix. Je viens de Macédoine. J'étais à Carcassonne. Je voulais voir la copie du livre secret.
dernière lettre à ma mère. Chère Lydia, le livre secret est écrit dans le cœur de chaque homme. Il suffit de rester éveillé, de guetter les signes divins. Il est écrit aussi que les peuples justes, propagateurs de paix, seront honorés et glorifiés. Les justes ne mourront pas.